Salut tout le monde et bienvenue ce soir pour un nouveau stream sur Age of Salut. Empires 4 pour continuer la campagne avec la guerre de 100 ans. Ce sera notre seconde session. Hier, on avait commencé à faire les premiers pas de la guerre de 100 ans avec les Français. C'était un peu compliqué hier, hein, le début de campagne. Donc là, on va essayer de refaire cette troisième mission qui nous avait posé beaucoup de problèmes. Bon, j'avoue, les deux missions nous ont posé problème. Donc, on va essayer de refaire. Donc, on est en l'an 1364. Alors, la France est dans le chaos. Une tempête chaotique menaçait la survie de la France. L'autorité du roi devait être appliquée à la fois sur les envahisseurs et sur les paysans. En gros, on va devoir casser la gueule à nos sujets et à nos ennemis. Voilà, youpi. Donc allez, c'est parti, on va réessayer cette mission, essayer de trouver la bonne solution pour en venir à bout. C'est parti, salut à tous. Les murs de Paris résistèrent à l'assaut anglais. Le roi Édouard d'Angleterre et le prince noir abandonnèrent le siège. Ils marchèrent sur Chartres pour tenter de conquérir une cible moins impressionnante. Mais avant qu'elle ne puisse attaquer, un violent orage surprit l'armée. Un millier de soldats anglais périt dans un déluge de grêle et de vent glacé. Pour Édouard, cette catastrophe du nom de Noir ressemblait à un châtiment divin. Un signe qu'il était temps de mettre fin à la guerre et de faire la paix avec le roi Jean de France. Mais alors que les rois avaient déclaré la paix, le peuple de France continuait à être tourmenté et à verser le sang. Salut Bousquet, ça va et toi? On continue la campagne sur la guerre de 100 ans avec Age of Empires 4. Entre 1358 et 1370, la France était en plein chaos. Les révoltes paysannes, les bandes de mercenaires qui saccageaient tout sur leur passage et la guerre civile ravageaient le pays. Les paysans se révoltèrent, tuant leurs seigneurs et semant le chaos. Des bandes de mercenaires rôdaient également dans le pays. Ceux que l'on appelait les routiers avaient été engagés par les Anglais pour combattre les Français, puis congédiés une fois la paix rétablie. Ils ravageaient et pillaient systématiquement les villes de toute la France. Alors que le roi Jean était prisonnier en Angleterre, son fils Charles, le dauphin, faisait face aux attaques intestines de puissants seigneurs français. Attaqué de toutes parts, les troupes du dauphin devaient absolument reprendre le contrôle de leur propre pays. Ah oui, on va refaire Napoléon. Oui, ils ont mis le paquet effectivement sur les campagnes, ça c'est cool quoi. J'espère qu'il y en aura d'autres dans le futur qui vont pas s'arrêter qu'à 4. Parce que pour moi, ce qui fera un bon Age of Empires, c'est pas que son multi, c'est ses campagnes aussi. Hein, pour donner goût à l'histoire, justement. Et là, pour le moment, même s'il n'y a que 4 campagnes, c'est vraiment pas mal. Alors, 1364, la France dans le chaos. Le dauphin monta sur le trône en 1364 et devint roi Charles V de France. Face aux menaces des paysans, des mercenaires et des envahisseurs, sa première mission en tant que monarque serait de ramener l'ordre dans un royaume en plein chaos. C'est un énorme point, ça, l'immersion et tout. Tout juste couronné roi de France, Charles V déploya son armée dans la ville d'Évreux, alors occupé par les Français, afin de rétablir l'ordre dans la région. Sur place, ces hommes avaient pour mission de neutraliser 3 grandes menaces. Des bandes de mercenaires se livrant à des pillages dans la campagne, une révolte paysanne et les attaques d'un prétendant au trône rival, Charles de Navarre. Ok. Bon, déjà, on va commencer par partir sur améliorer tout de suite nos lanciers. On va reprendre aux mains des rebelles les villages de Cocherelle, Jouy et Croisy.
Moi, je vais créer des villageois. Il va nous faire le plus de lanciers aussi, parce que je sais pourquoi, ce qui va nous attendre. Pour ceux qui se rappellent hier des débuts compliqués. Hier c'était compliqué le début de cette campagne, je vous le dis honnêtement. Donc là il va falloir essayer de neutraliser une menace en priorité ici. Alors. Eh ben c'est parti, on va mettre tout le monde au bois maintenant. On a amélioré tout de suite nos lanciers en lanciers aguerris. Nos archers, on ne pourra pas les améliorer. Par contre, il nous faut encore plus de bois, ça c'est obligatoire. Alors que l'armée française venait de prendre le contrôle de la campagne, elle fut attaquée par un groupe de routiers anglais. Voilà, ça. Par l'armée anglaise, ça limitera dire comment tu vas. Alors si, mais t'as vu le coup que ça me... En fait, le problème c'est que ça me coûte beaucoup de pierres et actuellement je sais pas où j'en ai. Sortez de l'éclaireur de là. Voilà, les routiers ont été repoussés. Et je vais tenter d'aller vite au camp. Les troupes françaises repoussèrent l'attaque des routiers. Mais d'autres mercenaires pillaient toujours la campagne à la recherche de provisions et de richesses. Je vais tenter de réparer vite fait cette tour. D'être payé par les Français, sous peine de poursuivre leur terrible pillage. Dites-vous par là. Hop, maintenant le loup, on le fait reculer. Ah, ça a été compliqué hier, Mitrandir, je pense que tu l'as vu. Donc là, mon but, ça va être de vite renforcer mon armée. J'essaie d'aller provoquer les bourguignons, mais j'espère que c'est pas trop suicidaire non plus. Bon. En fait, là, on a le camp, quand on regarde. Ils ont beaucoup de chevaliers. Donc là, mon but, ça va être de faire... Justement, je vais faire un point de rencontre ici. Mon but, ça va être d'essayer de rassembler vite une grosse force de frappe pour aller péter ce camp. Et je pense qu'à mon avis, on pourrait faire des trucs. Salut Loulou, comment tu vas? Mission intermédiaire. Je suis en intermédiaire, alors si j'étais en difficile, bah là je suis mort. Hein. On va continuer de faire des villageois pour le bois. Il nous faut le plus de bois possible de toute façon. Leurs tours sont là. Donc là, l'archerie elle est en cours. J'essaie de monter une dizaine de bûcherons déjà. Et je vais faire ça pour collecter plus vite du bois. Et plus rapidement encore. Une autre caserne ici. Ok. Reculez. On va reculer notre éclaireur ici. Bah, je viens juste de débarquer, Loubou, c'est normal. Hein. Je viens juste de commencer la mission. Donc c'est un peu normal que le camp ait pris cher. Hop. Point de rassemblement ici. Alors, il y en a deux qui font rien. Là, on a de la chasse, justement. On va aller se faire un peu de chasse. Et après, on mettra ces villageois ici sur le camp de bois. Voilà. Et je sais pourquoi, je pense savoir pourquoi on peut pas passer à l'âge suivant. Ah, j'ai une théorie. Hein.
Parce qu'en fait, je pense que c'est scripté, de ce que je comprends. J'ai réfléchi un peu hier, je me dis, tiens, pourquoi je peux passer à la suivante? Donc là, on est en train de vite se former une grosse armée dans le but d'aller écraser le camp tout de suite. Je vais faire une forge ici. Voilà. Comme ça, on en a 4 là-dessus. On va rajouter un dernier bûcheron qu'on va mettre tout de suite là. Donc là, les archers, c'est good. Par contre, on n'a pas assez de lances. Hein. On a 18 archers, on va en avoir une vingtaine pour démarrer. La forge est terminée. On va tout de suite améliorer l'armure de notre infanterie pour tenir un peu mieux. Attention. Voilà. Là, j'ai renforcé un peu l'armure de mes lanciers, je vais faire au mieux, c'est nécessaire. Plus on aura de lanciers, donc au cas où, hors sujet pour cette semaine, je vais faire des lives comme je suis en congé, comme pour ceux qui ne sauraient pas. Donc demain, si tout va bien, on avance bien ce soir dans la campagne la guerre 100 ans avec les Français. Demain, on pourra. Demain, on va te la terminer. Et mardi, on commencera Jurassic World Evolution 2. Voilà, un peu le programme du prévu. Donc là, c'est bien, on est en train de bien chasser. Par contre, le bois, là, on commence à être au niveau population, on va faire gaffe. Bien. Voilà, plus d'archers encore. Donc ça y est, nous lançons un peu d'armure. Là, on est en train de bâtir le plus de maisons possible. Là, notre armée, elle produit, on produit. Oh, je me demande si je dois peut-être pas produire des cavaliers, tiens. Quelques cavaliers, j'avoue, ce serait pas déconnant. Genre une petite douzaine pour aller calmer les leurs. Je pense avoir une bonne masse d'infanterie, c'est plutôt cool. Bon, c'est pas mal. Là, on est mieux dans la partie. Hein. Déjà avec notre grosse force qui dissuade nos adversaires ici. Bon. Là, on va avoir une attaque. Allez, on pousse. Est-ce que ça coûte? Bon, ça coûte beaucoup de nourriture, des cavaliers, mais bon. Par contre, il faut encore gonfler notre masse d'infanterie, là, on n'a pas le choix. On va en mettre 12, ils seront 39. Je vais en rajouter un dernier. Donc là, on bâtit notre armée. Voilà. Toi, tu retournes au bois.
On va juste en rajouter deux de plus ici pour avoir les 8 fermes. Alors 110 de bouffe. Hein. On aura une trentaine d'archers de près sur le pied de guerre. On produit à fond un peu de cavalerie maintenant. À mon avis, si on rase vite leur camp, on peut se mettre bien. Après la reconquête, ça devrait aller, je pense. C'est ça surtout l'idée. Quoi de labour ? Si je vais faire quelques maisons. Vado labura. Barax pour labura. Yama sono la cause. Barax pour venir. Ah, il y a du mouvement là. Voilà, ça c'est bien joué. Parfait, ici c'est bon. Un peu plus de cavalerie. Ouais, la cave de base c'est cher. Alors je te laisse imaginer le chevalier qui coûte 142 bouffe et 100 d'or. Donc eux, ils sont utiles pour les attaques de flanc. Mais j'ai plus que deux chevaliers. Les éclaireurs, je vais essayer de les garder en vie. Comme ça, on va monter avec une trentaine d'archers en plus. C'est surtout ça, et je pense que, à mon avis, Loubou, logiquement, il y a de l'or, je dirais qu'il y a de la pierre pas loin ici, tu vois. Et à mon avis, ça me facilitera la suite pour la suite de la mission. Voilà. Et la pierre, pour ceux qui se demanderaient, la pierre, je la garde tout de suite. Je la garde parce qu'on va peut-être en avoir besoin. Bon, je pense que les rebelles, à mon avis, doivent pas être très forts ici, mais c'est surtout là que ça va être plus compliqué. Et je serais pas étonné qu'il y ait un truc au nord qu'on devrait aller se faire. Donc là, 1, aller chercher le camp. 2, les petits villages. 3, la grande ville. Et 4, la menace potentielle au nord. Voilà un peu le programme de l'épisode. Bon, pour le moment, on s'en sort mieux qu'hier. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, bien sûr. J'ai 8 cavaliers là. Je vais rajouter 2 de plus, ça devrait être suffisant, je pense. Bien joué. Ça fait 38 lanciers. 32 archers. Allez, les deux là. On va essayer de monter une quarantaine d'archers, une quarantaine de fantassins. On aura une dizaine de cavaliers. Je pense que là, l'armée sera plutôt pas mal pour défoncer le camp. Sur les 1000 d'or, vous serez d'accord, on les a pas.
Ah, c'est possible aussi, Loubou. On l'a bien vu avec la campagne de Guillaume, hein, lors des précédentes missions. Ça y est, on a 40 lanciers. Ok, vous vous foutez plus rien. Je vais vous refaire un camp là. Le moulin là, je vais le péter, il me sert plus à rien. Comme ça, on va les chasser ici. Et dans le doute, je vais faire un petit groupe de réserve, tiens. Ils ont... Oh, ils ont du chevalier, attention. Attention, attention, hein. Allez, on y va. Avec un petit support ici. Attention, ouh, il y a du monde là. S'ils parvenaient à le détruire, ils pourraient mettre un terme au pillage anglais. Ah, ils ont encore tout ça de réserve, ouf. Éclaireur, replie-toi. On prend cher, mais eux aussi, hein. Vite, rasez-moi ces tours là. Alors les délinquants là, allez, vite. On ne dit pas qu'il a reformé instantanément. Ah bah si, ça reforme des unités instantanément, c'est de mieux en mieux ici. On va vite raser les casernes. Les casernes, vite, il nous faut refaire des. Il nous faut renforcer nos pertes là. Vite. Bon, on a perdu beaucoup toute notre cavalerie, quasiment toute notre infanterie, mais les archers ont bien tenu. Bien joué. Donc là, faut raser toutes les tentes, je dirais. Et là, tu sais quoi, on va faire un petit groupe de mineurs. Une petite douzaine, on va en envoyer sur l'or. Et il y a de la pierre, là, je m'en doutais. Voilà, les routiers, c'est réglé. Leur camp détruit, les mercenaires ne risquaient plus de poursuivre leur pillage. Bon, avec ma cavalerie, je vais explorer un peu le coin. On ne sait jamais. Je vais peut-être enregistrer, tu vois. En fait, je pense que l'erreur que j'ai faite hier, c'est de les avoir laissés trop venir aussi. Et ça leur a permis de développer de l'infanterie et tout.
Obeyo. A medio corso. Parate. Ambulance. Tutto di te. Sì, comprendo. Bye. Quid me? Omes, quid ordine. Quid ordine. Ah, il y a des moutons là, je les avais zappés. Je les avais oubliés les moutons hier, lol. Ah, ok. Ils vont aller à l'excavation déjà. Voilà, je suis satisfait de mon départ de mission. On va rajouter 4 archers en plus. Comme ça, on en aura une quarantaine. Les fantassins, on va remonter à 5, 10, 11. Comme ça, on aura une vingtaine de lanciers. On va se mettre à l'heure tout de suite. Hop là, ils vont aller à l'or. Je pourrais faire des chevaliers, mais bon, ça va me coûter cher en or. Hein. J'ai des techs à faire déjà. On va renforcer notre économie tout de suite. Voilà. Safe ship. Je connais Starship Trooper, mais je sais pas si ça serait la même chose, Bowman. Voilà. Donc là, on va faire les deux techs pour améliorer notre économie tout de suite. On se retrouve avec une vingtaine de lanciers, de la cavalerie légère. Ouais, donc là, ouais, c'est scripté pour passer à l'âge suivant. Tant qu'on n'a pas récupéré les autres villes. Bon, ok. On va attendre de rassembler toutes nos forces et go. Par contre, là, on va retravailler nos camps de bûcherons parce que c'est pas la joie. Voilà, 4 de plus. Et ça devrait être suffisant, je pense, pour la suite. Bon, toi, tu vas aller me chercher les moutons là-bas. On va faire cette tech là, allez. Alors là, je sais pas, mais on voit pas la source de nourriture là. C'est ça que je regrette. Alors sur Age of Empires 2, tu pouvais voir combien il restait, mais là on le voit pas. C'est ce qui est dommage. J'ai tellement de bois et de bouffe, tu me diras. Bon, allez, les chips. Oh, j'ai une idée. Je vais les ramener au moulin, justement, pour les paysans, là. Non, le bout, comme je suis H2, je peux pas faire de monastère. Et je pense qu'il y en a un là. Je pense qu'à mon avis, si je récupère cette ville, je récupère le monastère. Bon, on va se mettre déjà en route avec notre petit contingent.
J'ai déjà fait un groupe de chevaliers ici. La troupe est en marche. Avec un support 4 chevaliers en plus, ça devrait pouvoir aider. Bon, les rebelles sont pas agressifs, on en profite. Avançons tranquillement. Donc déjà, j'ai placé ma cavalerie en hauteur. Mes lanciers, hop, vous attendez. Je pense qu'il vaut mieux éviter d'endommager la ville, bien sûr. C'est de la milice, ça. Ok, on recule, on recule. Hit and run. Soyez agressif, soyez sans pitié. C'est bien. C'est bien. Bon. Parfait. On a récupéré cette ville. Excellente news. En prenant le village de Jouy, l'armée française était toute proche d'enrayer la révolte paysanne et d'asseoir son autorité. Alors vous allez là. C'est vrai que reconstruire le mur, c'est pas un mauvais plan, Maxime Tueur. Bonne idée, tu vois. Hop. Comme ça, là, on sera sécurisé au sud. Là, je vois qu'on a des B. Donc le prochain village, c'est une carrière de pierre à Croatie. Ok. On a nos chevaliers ici. Je pense que je vais augmenter. La monastique centrale de Cocherel allait continuer d'envoyer des troupes d'attaque rebelles pour affaiblir l'armée française. Ah, ok, ça c'était pas au programme. Donc on va fortifier ici. Je pense que je vais faire des postes avancés. Voilà, on va commencer comme ça, on a une quarantaine d'archers pour défendre, c'est un départ. Et là, j'ai commencé à améliorer mes tours. Ça, faudra dire ça aussi aux rebelles, Maxime, hein, pour tu sais. Donc on va se mettre une sécurité en arrière. Ça met 45 secondes à sortir des chevaliers. Hein. Rajouter deux de plus. De l'archerie, ça. Oh, il y a un lieu sacré. C'est quoi, ça? Ils ont quoi? Des lanciers. Ils ont un homme d'armes. Ok. Et un Wololo. Bah tiens, un Wololo, bien sûr. Quand je vois ce gars-là, ça me fait penser au Spadassin dans Stronghold. Donc là, on va décapturer ce lieu religieux. Alors, mon éclaireur, je l'ai laissé où? Il est là. On va envoyer celui-là là-bas. Est-ce que ça va être une... Parce que là, à mon avis, ça peut être la même défense, hein. Là, c'est fait. Voilà, on a un poste avancé ici et là. Nos futurs chevaliers, tous nos chevaliers vont débarquer là. Bon, là, c'est repoussé, c'est bien joué. Juste envoyer des archers pour voir.
Ah, mon éclair pourri fait le tour. Il y a un chemin. Riche en dépôts d'or, Croisy faisait partie des villages que les Français devaient reprendre en priorité. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ici? Ils ont aussi de la milice. Ok. Ça devrait pas être compliqué. Je pense que chevalier et archer, ça suffira. Par contre, hop, on récupère ce trésor. Les lanciers et les cavaliers légers, je vais les replier ici. Avec deux chevaliers en renfort. Bon, en fait, j'étais en train de faire la recherche sur les deux loups. C'est pour ça. Le deuxième avant-poste a mis un peu de temps à se faire, tu vois. Ah, il y a deux troupes en fait, ok. On va les faire courir. Petit. Voilà, bien joué. Maintenant, on va attaquer le deuxième groupe. Oh là là, reculez malheureux. Ça y est, deuxième village de repris, excellent. L'armée française vainquit les rebelles à Croisy et prit le contrôle du village riche en or. Donc là, ils font plus rien. La ville monastique centrale de Cocherel était toujours aux mains des paysans rebelles. L'armée française allait devoir la reprendre avant de pouvoir lancer un assaut sur Charles de Navarre. Ok. Ok, ça c'est fait ici. Dans le doute, on va faire des tours également. On a de la pierre là, on a de l'or là-bas. Je crois qu'on va rajouter plus des mineurs de pierre. Hein. Cette pierre n'a pas encore été entamée. Oula, oh là là là, vous êtes suicidaires, vous, messieurs. On va faire pareil ici et là. Là, on n'a plus d'or, c'est embêtant. On va vous rapatrier là-bas. Quoique, non, ça, c'est un mauvais plan ce que vous faites. Vous parlez espagnol, là, bon. Ouais, attention ici. Je sais pas ce qu'ils sont, mais ils sont buggés, on va profiter. Abattez le prêtre, abattez le roulolo. Bien joué. Allez, on va aller à l'attaque avec les béliers. On va ramener le reste de la cavalerie. Je pense qu'on a une grosse armée suffisante pour faire assez de dégâts autour. Bah, je peux toujours pas le bout passer là suivant. Bon, leurs miliciens là. Je pense qu'il faut que je reprenne Cocherel
pour que ça se valide, pour que je passe à la chure. Je pense que ça va être un truc comme ça. Attention, archer. Allez, à l'attaque. À l'attaque, chevalier. Bon, c'est quand vous, vous voulez rentrer ou quoi? Il doit rester encore un petit groupe dans le coin. Ouais, des lanciers, non, 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 non. Non, 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 touchez pas au monastère, touchez pas au monastère. Super, on va faire quelques prêtres. L'armée française prit le contrôle des villages rebelles et la révolte paysanne fut enrayée. Ouais, super. On va faire un arsenal tout de suite. On va fortifier. Mais pour asseoir son autorité sur la région, elle allait devoir défendre son centre d'influence, le monastère de Cocherel. Eh ok, très bien. On se blinde là, coûte tout coûte. Au nord-est de Cocherel, l'armée de Charles de Navarre avait établi un camp fortifié. Le roi de Navarre voulait également gouverner la France. Il prévoyait d'asseoir sa position en éliminant les forces royales qui venaient d'arriver. Je m'en doutais qu'il y avait un truc donc. Là, on est plutôt en bonne position maintenant, je sais pas ce que vous en dites. Hop. On va améliorer nos chevaliers vétérans, nos cavaliers pareil. Et nos lanciers vétérans. Déjà, on aura une bonne armée de base ici. Par contre, là, je vais faire un donjon ici, comme ça il couvrira un peu le monastère. Ensuite, je vais refaire des murs. Ouais, les prêtres, là, ça va commencer à aider un peu. Continue de buffer nos tireurs. Donc à mon avis, il faut aller par là. Bon. L'Institut Royal, ça donne quoi ça? Les coûts de production d'unités dans les camps de tireurs sont réduits de 25%. Ça y est, on a une quarantaine d'archers vétérans, ce qui est pas dégueulasse du tout. Bon, lui, ça sert à rien. Ah oui, l'or, bien vu, le lieu sacré. Hop. Ça donnera toujours un peu d'or supplémentaire, tu me diras. Il va falloir faire une porte ici. Tiens donc, je croyais qu'il y avait plus de... C'est quoi ça? C'est des chevaliers du Saint-Empire. Ah bah bravo. Carrément. Les chevaliers régénèrent. On va faire le truc qui régénère les chevaliers. Et là, on va faire de l'archer. Parce qu'on va en avoir besoin. Ah, ils sont costauds ces chevaliers du Saint-Empire. Hein. Ouais. Je suis pas étonné que c'est le Serge perso. Le ferai-je donc.
longtemps Mathieu demeurait. On va faire un petit contingent d'arbalétriers. Hein. On a vu que ça sauvait pas mal des fois, pour ceux qui se rappellent. Et on va faire aussi de l'artillerie. Vous deux, vous allez me réparer ici. Je pense que je vais faire un autre donjon là pour protéger. Ah oui, ça change de cible comme ça, c'est gratos hein. Super, les donjons vont faire le boulot et ils font très mal hein. On va se refaire une petite dizaine d'archers ici. Donc là au moins on sera couvert des deux fronts ici. Bon là il sert plus à rien ce camp. Flèche incendiaire, ça sera utile contre leur bâtiment, tu me diras. On va encore améliorer le taux de collecte de bouffe, ça sera toujours utile. Il n'y a pas un marché. Je peux pas faire de marché, c'est embêtant ça. Ouais, on peut le faire, Mitran, dire ça. Regarde. Là, la porte est verrouillée. Là, elle est déverrouillée. Ça, c'est fait. Il va nous falloir aussi de... Alors ça, c'est fort. Déployer un pavois. En gros, c'est comme les pions, c'est comme un truc dans le genre de déployer les pions anglais, mais en version française, ça c'est cool. Voilà. On va soigner tous nos gars là. Et s'il y en a qui veut venir emmerder le monde, je lui souhaite bien du plaisir. Ah bah tenez, je crois qu'il y en a qui n'ont pas compris la leçon. Recule. Et je crois qu'à mon avis, ce qui est dossier avec le donjon, c'est les springales. Hein. On va envoyer les archers, les chevaliers sont prêts. J'ai déjà envoyé, je vais sortir quelques mongonaux. La cavalerie, je vais l'envoyer là-bas maintenant. On va envoyer 6 chevaliers de plus, comme ça on aura une grosse armée assez puissante, j'espère. Bon, les prêtres vont servir. Je vais garder les béliers dans le doute. Manoir assouvi. Belle œuvre. Oi, mestier. Il ne faut plus quoi de Motorway. Que faut-il donc? Annonce ça, Trestus. Bon, je prends mon temps sur cette mission, je pense que vous comprendrez, parce qu'à mon avis, l'armée qui nous attend à la fin, c'est pas une armée de merde. Là, on est plutôt bien préparé, je pense.
Par contre là, ça découpe, hein. On a une vingtaine d'arbalétriers en plus, ça sera cool. Ils sont en train de trouver un chemin, c'est cool. Je pense pas qu'ils peuvent attaquer par là. Ah bah tenez. Ou alors là, ça va être violent. Oh le carnage. Ah. Il y a un de nos chevaliers, il a dit. Ouf. Enfin, on a perdu trop. On a perdu trois chevaliers quand même. Hein. Attention. Ouais, bah après le bois, c'est ça, c'est important. Hein. Je pense qu'avec l'armée là, on peut venir à bout de l'armée de l'autre là. Viens là, toi. Les roulous, vous allez venir aussi. Ça a l'air d'être loin, ce camp. Faut faire le tour à mon avis. Je sais qu'il y a un succès sur Steam en fait, qui est avec les chevaliers français. Il faut en accumuler 50 et il faut faire une charge sur une cible avec eux. Ok, on sait par où aller. Remontant un flanc de colline, les Français découvrirent le camp de Charles de Navarre. Ah oui! Sa ligne de front, surélevée et constituée uniquement d'archers, avait l'avantage du terrain. Les Français allaient devoir planifier leur approche du bastion avec soin. Bah justement, là, notre approche. Voilà, bisous. Bah alors. Bon, bonne nouvelle, c'est qu'on a liquidé quasiment plus d'un tiers de leur armée, ce qui est plutôt cool. On va s'approcher tranquillement. Allez, bisous. Bon, ok. Ils ont détruit une tour, c'est pas grave. Bon, bah, y a plus rien ici. Qu'est-ce qui reste ?
Ah, les scopettes, ça aide en défense. Hein. Ouais, t'inquiète, il tient Sodom. C'est ça, là, mon objectif. Mon vrai objectif. Bon, on va y arriver. Bon, on va tirer dans le tas. Hein. Attention. Ah, il est chargé. Ah, c'est au final, là, c'est qui tout double. Ah, cassez-vous, les emplois, rentrez chez vous. En fait, alors je sais pas, c'est pour la faction, je pense, mais je pense que c'est Navarre, c'est en Espagne. Hein. L'armée française avait neutralisé Charles de Navarre, enrayé la révolte et mis fin au pillage des routiers. Dans la lutte pour le contrôle des terres françaises, le roi s'accrochait toujours au pouvoir. Bon, on a enfin réussi cette mission. Alors, ça on l'avait vu, donc on va se faire la petite vidéo. L'armée française vint à bout de nombreuses menaces qui pesaient sur la France et le pouvoir fragile de Charles V fut restauré. On va faire la vidéo du destrier. Un destrier n'avait rien d'un cheval ordinaire. Au combat, c'était le compagnon d'armes du chevalier. Par nature, les chevaux sont des proies, mais le destrier devait se transformer en prédateur. Il devait être agressif et courageux pour charger les lignes ennemies et piétiner tous ceux qui se trouvaient sur leur passage. Pour ce faire, ils étaient spécialement élevés et entraînés pour le combat et apprenaient à frapper avec leurs sabots sur commande. Cela signifiait que les destriers coûtaient cher et symbolisait un statut élevé. War horses were incredibly strong and powerful, but they were also vulnerable. This is a really big target, and it's much easier to shoot a horse than it is to hit its rider. So just as men wore armor, horses wore armor too. Le destrier était bien trop précieux pour être monté par le chevalier sur la route du combat. Ils étaient donc emmenés par le palefrenier du chevalier. Un chevalier emmenait beaucoup de destriers avec lui en campagne, car il avait besoin de changer de cheval plusieurs fois pendant la bataille. Une fois équipé, le chevalier, son cheval et ses armes devenaient un système très efficace. The heavy cavalry lance had a small ring called a graper, and this locks into my arm, forming a hard linkage, so that the lance can't shoot backwards on impact. La selle de guerre jouait aussi un rôle crucial. Avec son dossier élevé, elle permettait au cavalier d'être bien calé. This means with the graper and the saddle, horse, man and weapon are all locked together to create one giant horse-powered projectile. Le rôle principal de la cavalerie lourde était de charger droit sur l'ennemi et de briser ses rangs. L'impact de la charge percutait l'ennemi avec une force terrifiante. Cela nécessitait des chevaux d'un courage et d'une puissance exceptionnelle. Ah oui, c'est vrai, ça, pour la couronne de Navarre, c'est assez oublié. Bon, maintenant la petite poche de l'histoire avec les routiers. Les routiers. Même pendant les périodes de trêve, la France était victime de raids et de pillages. Les compagnies de mercenaires et les soldats recrutés dans toute l'Europe puis renvoyés sans avoir gagné suffisamment d'argent allaient chercher ce qui leur manquait auprès de la population. Dans les années 1360, plus de 15 000 routiers parcouraient le royaume, allant jusqu'à assiéger Avignon pour demander une rançon au pape. Quand le roi Jean envoya ses armées contre les groupes de mercenaires les plus craints, les forces royales déjà débordées furent anéanties. Mais l'appel à la croisade que le pape lança contre les brigands ne parvint pas à mettre fin à leurs méfaits. La France ne parvint à se débarrasser d'eux qu'en les payant pour se battre à l'étranger. Oh, on a l'habitude, hein. En gros, on a baissé notre froc, quoi.
Bon, bah, elle était sympa cette mission. Elle était difficile au début, mais là, maintenant, c'est bien positionné. Je pense que ça devrait aller un peu mieux. Donc, on va s'arrêter là pour cette mission. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine pour la suite de la campagne. Ciao, ciao!